I'm Kimberly Van Noort. I'm here at the University of Texas at Arlington, where I am the Associate Dean of Liberal Arts and an Associate Professor of French. Today I'm going to be reading from Jean Genet's Notre-Dame des Fleurs, which was banned because of its highly controversial sexual and thematic content. Weidmann vous a paru dans une édition de 5 heures. La tête émaillotée de bandelettes blanches, religieuse et encore aviateur blessé, tombé dans les siècles, un jour de septembre pareil à celui où fut connu le nom de Notre-Dame des Fleurs. Son beau visage, multiplié par les machines, s'abattit sur Paris et sur la France, au plus profond des villages perdus, dans les châteaux et les chaumières, révélant aux bourgeois attristés que leur vie quotidienne est frôlée d'assassins, enchanteurs, élevés sournoisement jusqu'à leur sommet qu'ils vont traverser par quelques escaliers de fils qui, complice pour eux, n'a pas grincé. Sous son image, éclatés d'horreurs et crimes. Meurtre 1, meurtre 2, meurtre 3, et jusqu'à 6, disait sa gloire secrète et préparait sa gloire future. Un peu plus tôt, le nègre ange solé avait tué sa maîtresse. Un peu plus tard, le soldat Maurice Pilorge assassinait son amant Escudero pour lui voler un peu moins de 1 000 francs. Puis on lui coupait le cou pour l'anniversaire de ses 20 ans. Alors vous vous le rappelez qu'il esquissait un pied de nez au bourreau rageux.